Bonjour à tous, Alléluis. Alléluis. Christos a l'air mêlé l'autre. Christos si. Aïstor mêlé d'Aniko, on est là avec notre famille. Si on vient, si on vient. Tu chantes avec nous. Allez. C'est vraiment important de savoir que Jésus est ressuscité. Garevore vor haskana vor Hisus harutyun aratse. Harutyal mer der Gabriel anor hamar aisor gnanq sharnagel. L'avenir, on peut vraiment dire c'est pas grave, on sait pas, oui, c'est vraiment inconnu notre avenir, mais en Jésus-Christ, puisqu'il vit, nous pouvons faire face à tout. Amen. Amen. Il est ressuscité. Célébrez Jésus. Jésus, c'est le Père.
parttak Astun yev parapanen inga harutsyan aisor. Thank you.
es merveilleux, tu es grand, Seigneur. Digne de louange, Seigneur. Merci, Jésus, pour qui tu es, pour qui tu es. Nous t'aimons et nous t'adorons, Seigneur Jésus. Christos arrive Mereloz. Ordinale Harutchum Christosi. Christ est ressuscité et des morts. Béni soit la résurrection du Christ. Bienvenue à l'église de Saint-Antoine. Église évangélique arménienne de Saint-Antoine. Nous faisons nos cultes maintenant. Portes fermées, c'est vrai. Et une église vide. Mais regardez, la journée de résurrection a commencé avec un tombeau vide. Barab Kerezmanov, est-ce que ça? Donc l'église est vide, mais nous proclamons la victoire de Jésus. Alléluia! Le fait que le tombeau était vide, Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Et Jésus est vivant, à jamais il est vivant. Merder Haryav, Havidian Savdenitz Gabri. Et il veut qu'on soit vivant aussi. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui, c'est la vie et pas la mort. Oui, le vendredi, on a fêté le vendredi saint, la crucifixion de Jésus parce qu'il est mort pour nos péchés. Amen. Il a pris nos péchés sur lui, sur la croix. Et il est mort pour nous parce qu'il nous a tant aimés. Il a vaincu la mort parce qu'aujourd'hui, à Pâques, la résurrection de Jésus-Christ nous témoigne qu'il est vivant. Qu'il n'est plus dans le tombeau. Et toi et moi aussi, nous pouvons croire qu'un jour nous allons vivre éternellement. La mort ne doit pas nous effrayer. Amen. Le péché et la conséquence du péché qui est la mort, le salaire du péché, oui, c'est la mort. Mais grâce à Jésus-Christ, grâce à son grand amour, Dieu nous pardonne et nous donne la vie éternelle. Et c'est merveilleux de savoir que la résurrection de Christ, on peut vivre aujourd'hui même. On n'a pas besoin de dormir, de mourir un jour pour avoir la vie éternelle. Mais la vie éternelle a commencé aujourd'hui pour tous ceux qui croient en lui. Amen. Amen. Harutian, Zorutian, Gernan, Gabriel, Aïsor. Aïsor. Aujourd'hui, c'est Pâques, oui. Et je veux que si on prie pour nous aujourd'hui, et Bars, Tsevo, si on a envie d'arrêter, Mézi, et vous savez que. En français. Merci Seigneur pour aujourd'hui et que ce coronavirus ça part et qu'il n'y a pas des personnes qui meurent et que on puisse vivre avec Dieu et Amen. En paix. Amen. 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 Nous allons continuer avec un chant. Et quand je m'entends ta beauté,
Comment allez-vous ce matin? Comment c'était votre semaine? Ça n'a pas été très facile, mais c'était la semaine sainte. Je suis sûr que vous avez suivi beaucoup de prédications, beaucoup de temps de prière et de paroles. Et c'était vraiment bénéfique, j'espère. C'était bénéfique pour nous. Et aujourd'hui, c'est Pâques. C'est Pâques. C'est la joie du Seigneur qu'on puisse encore vraiment se réjouir avec. Dieu est bon en tout temps et en tout temps, Dieu est bon. On répète cette phrase toujours. Dieu est toujours bon. À jamais, il est bon. En tout temps, il est bon. Amen. Amen. Je vous dis, Christos ariavi merelot, ortniale harutium Christosi. Ortniale harutium Christosi. Christ est ressuscité des morts. Béni soit la résurrection du Christ pour nous tous. Amen. Amen. Comme j'ai dit, ouais, l'église est vide, mais le tombeau était vide. Et c'est ça la bonne nouvelle. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans la résurrection, on n'a pas d'espoir. L'humanité n'a pas d'espoir sans la résurrection. Arants harutian, voeve mekhuishchuni, polor martkutchuna. Les quatre évangiles écrivent sur la résurrection de Jésus-Christ et sur la façon dont il est apparu à ses disciples après sa résurrection. Dans Marc, nous lisons que le dimanche matin, Jésus est apparu à Marie de Madeleine. Le premier, parce qu'elle est allée pour visiter le tombeau de Jésus avec d'autres femmes. Jésus est apparu à Marie de Madeleine. Et le même après-midi, Jésus fait une autre apparition à deux de ses disciples, pas parmi les douze, mais deux autres disciples, sur la route de Emmaüs. Puis, on lit aussi qu'il apparaît à Pierre et ses autres disciples le même jour, le jour de sa résurrection. Aujourd'hui, on va regarder ensemble cette histoire de Jésus qui rencontre ses deux disciples sur la route d'Emmaüs. Aisor miasi midinaink ait batmutyan masse vor harutyan ore Hisus ir yergu ashagetneren ashagetnerun vor chein batkaner at 12-kin anons kantibi Emmaüsi jampum vra. Donc cette histoire se trouve dans Luc chapitre 24 et je veux qu'on puisse imaginer ensemble ce qui s'est passé là quand Jésus apparaît à ses deux disciples. Nous savons qu'un de ses disciples, il s'appelait Cléopas, et ces deux, ils retournaient de Jérusalem à leur domicile à Emmaüs, on imagine. Emmaüs se trouve environ 15 kilomètres de Jérusalem. C'est là, l'heure aurait pris environ 2 heures de marche. Et dimanche matin, on sait qu'ils étaient à Jérusalem, et ils avaient appris toutes les dernières nouvelles de la résurrection de Jésus, que Jésus était ressuscité mort. Et il y avait une histoire aussi vraiment sûre, qu'il y avait une histoire déjà qui circulait en disant que les disciples avaient volé le corps de Jésus. Mais qu'en pense-t-il des femmes qui n'arrêtaient pas toute la journée de leur dire qu'elles avaient vu des anges? Ils avaient vu des anges ce matin. Elles avaient vu un tombeau vide. Et après, elles avaient vu Jésus apparaître à Marie. Mais je pense que s'ils avaient vraiment cru que Jésus avait ressuscité, ils resteraient à Jérusalem. Mais pourquoi ils n'ont pas resté à Jérusalem? Pourquoi ils voulaient très vite rentrer chez eux? Mais s'ils avaient vraiment cru, ils allaient rester pour voir la suite. Je crois qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de tous ces événements et les événements récents. Comme nous d'ailleurs, on a aussi très peur de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On n'a pas vraiment besoin d'avoir la crainte, mais je suis sûr que vous avez eu peur. Moi aussi j'ai eu peur.
Notre vie a changé avec cette COVID-19. Et on attend encore toujours pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de des choses inconnues. Ashrars pochvetsa vievshatm anoroshutyuner gan yev teravs adgam mezi vakhkuda. Et ses disciples, il y avait quelque chose qui s'est passé, que leur vie, ils savaient, ne serait plus normale. Ils savaient qu'il y avait quelque chose, mais ils n'étaient pas sûrs. Sur la route, qu'est-ce qui se passe? Inchke badari. Jésus les rencontre. Il les accompagne dans leur marche. Il fait semblant d'être un étranger, un voyageur. Bien sûr que la conversation tournait sur les dernières nouvelles, comme aujourd'hui, les conversations qu'on a toujours sur les nouvelles, et entre nous, c'est le COVID-19, coronavirus. C'est le temps des coronavirus, ils disent, non? Jésus commence à leur parler et à partager de Moïse, des prophètes, et que toutes ces choses seraient accomplies par rapport au Messie. C'était écrit, et il expliquait de la parole, des Écritures. Et ses deux disciples écoutaient. Ils comprenaient que cet homme-là savait beaucoup plus de leur histoire, de leur tradition, de leur foi. Aujourd'hui, quand on est perturbé par les nouvelles de COVID-19, est-ce qu'on ouvre la parole? Est-ce qu'on est en train de voir ce que Dieu a à nous dire par rapport aux temps qui changent? Artyok aïsor, il faut rencarvaz en gaïsloureren, artyok, գփանանք Աստծո խոսքը եւ գնայինք թե Աստված ինչ ունի ասելիք մեզի այս օրերուն համար. Donc Luc 24:27 on lit que commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait. Et donc quand ils arrivent chez eux, ils invitent ce bon nouvel ami trouvé, Jésus, à venir chez eux pour passer la nuit ensemble. Versets 30, 31, 32, on lit cette histoire. Je ne veux pas tout lire pour vous, mais vous pouvez lire vous-même, chapitre 24 de Luc. Verset 30, il dit, « Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» C'est bon, n'est-ce pas? Si vous étiez à leur place, que ressentiez-vous? Quelle belle histoire! Amen. Mais c'est vrai, c'est vrai. Jésus passe un moment avec ces deux et leur vie change complètement. Alléluia! Un moment, Jésus, avec toi, ta vie va changer complètement. Et d'ailleurs, on a des témoignages, nos témoignages. Jésus est vivant. Amen. Et de plus on passe du temps avec lui, de plus on est changé et transformé. Bien, Jésus. Donc, une nouvelle révélation de Jésus. Amen. Ouvre leurs yeux spirituels et toute leur compréhension change. Tout ce qu'ils savaient sur Jésus devient une vraie vie maintenant. Alléluia. C'est pas une théorie. C'était pas des choses qu'ils avaient appris de d'autres personnes, mais maintenant c'était réel parce que c'était une expérience personnelle. As-tu cette expérience personnelle avec Jésus? Est-ce qu'il s'est révélé à toi? Est-ce que tu cherches les Écritures pour savoir encore plus de lui? Donc, le moment où tu rencontres Jésus, cette rencontre te fait que la connaissance des faits devient une réalité, une vraie connaissance de la personne. Tu sais, beaucoup de fois, ça m'arrive que je lis la parole et je ferme et je commence ma journée. Et rien n'est changé. Mais là où, quand je lis la parole et l'Esprit Saint commence à me parler, me révèle des vérités réelles par rapport à ce que je vis, les mots sortent de la page. Amen. Amen. Et tu te trouves devant une réalité, une nouvelle révélation, que ça va te changer, ça me change. Et j'attends pour ces moments-là, je dis, Seigneur, révèle-toi encore plus, ouvre mes yeux pour que je puisse voir encore plus des vraies
chose que tu vas me nourrir avec. Donc, ces deux disciples, ils retrouvent leur joie. Ils ne peuvent pas garder à eux-mêmes cette bonne nouvelle. Amen. Ils avaient vu le Christ. Amen. Ils avaient vu le Christ. Amen. Ils avaient mangé avec lui. Le même soir, ils courent jusqu'à Jérusalem pour raconter à ses disciples ce qui s'était passé. Ils ne disent pas « demain matin ». On est fatigué, on a eu toute la journée à Jérusalem, ah, il faut rentrer maintenant au lit. Non, ils étaient si renouvelés parce qu'ils avaient vu Jésus. L'espoir de leur vie, était apparu. Donc ils sont courus. Il faut qu'ils aussi descendent. Ihr werdet sich nicht mehr verletzen. Ein Lurchiger Zangen hat. Ein Dachrutscham mit Chain. Ihr Rang zu mir mit Chain. Aber Urachatzan. Եվ ուզեցին այդ ուրախությունը բաժնեցին մյուսներուն հետ եւ վազելով յետքացին դեպի Ժերուսաղեմ j'imagine qu'il courait vers Jérusalem. Ils avaient hâte de passer cette bonne nouvelle à leurs frères. Voici certains points que je veux partager avec vous, j'espère que ça va être bénéfique pour vous. Est-ce que tu et moi, est-ce qu'on s'identifie avec ces deux disciples? Peut-être. Nous ne sommes pas sûrs de l'histoire, nous n'étions pas là-bas. Ils ont dit qu'il y avait eu une résurrection, les Écritures nous le disent, mais on n'est pas trop sûr de quoi ces gens-là nous racontent. Peut-être qu'il y a des chrétiens autour de toi qui te témoignent et tu n'es pas si sûr de ces événements parce que ce sont juste des histoires pour toi. Peut-être nous choisissons à reculer et à nous cacher loin de la confusion, de la persécution et des épreuves. Il y a ça aussi. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Oui, je crois que la résurrection, c'est une vraie chose, mais je ne suis pas sûr et je veux me cacher maintenant parce que j'ai peur d'être persécuté. » Peut-être nous voulons nous cacher et nous ne voulons pas vraiment donner notre cœur à Jésus, nous ne voulons pas vraiment repentir de nos péchés, et on va essayer de raisonner derrière des philosophies et des débats théologiques. Peut-être ça c'est notre cas. Un autre peut-être. Nous avons peur, si nous croyons jusqu'au bout, ils nous associeront avec des gens qui s'occupent de sujets qui ne sont pas croyables ou crédibles. Peut-être, comme ses disciples, nous disons qu'il est apparu à certains de ses disciples, pourquoi pas nous? Cette partie-là, ça me touche et ça te touche. Si il a apparu à ses disciples, pourquoi pas à moi? Et il y a beaucoup de gens qui disent, je veux qu'il me parle, je veux le voir, je veux le toucher pour que je puisse croire. Ça, c'est une vraie position à avoir. Est-ce que tu peux dire, Jésus, je veux vraiment que tu ouvres mes yeux. Amen. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir ces vérités et je puisse vraiment croire. Amen. Et donc, si c'est vrai pour toi et pour moi, c'est vrai, c'est peut-être, êtes-nous prêts à le recevoir en tant qu'un ami? Ces deux disciples, pendant cette marche, ils sont devenus amis avec Jésus. Amen. Amen. Jésus est devenu leur ami. Êtes-vous prêt à prendre des risques et l'inviter dans votre vie? Dans des différents coins de votre vie. Il vous rencontre, il vous accompagne, il veut vous expliquer tout. Il veut marcher avec toi et moi sans s'imposer. Il se présente comme un ami, comme je te dis. Naturellement, les disciples l'ont invité chez eux. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Jésus marche avec toi, il t'explique des Écritures, il ouvre la parole, tu ouvres la parole. Qu'est-ce que tu veux faire avec Jésus? Est-ce que tu veux l'inviter chez toi? Amen. Est-ce que tu veux l'inviter chez toi? Est-ce que tu veux dire, Jésus, viens t'asseoir avec nous. Mange avec nous. Passe la nuit avec nous. Regardez, pendant ces derniers jours, Tamar a fait beaucoup de tchorek et donc on est allé
distribué ces tchéreks devant les portes, devant les portails. Et on a vu certains membres âgés, aînés, isolés, qui ont vraiment apprécié. Parce que pendant le confinement de 4 semaines, ça a été dur. Ils n'avaient pas vu, ils n'ont pas eu des visites. Et on n'a même pas osé de rentrer chez eux. Parce que la loi nous disait de ne pas le faire. Et donc, on a laissé ces tchereks, ces gâteaux. On a dit merci Seigneur de les avoir vus. Ils sont en bon état. Et merci Seigneur. Mais regardez, Jésus, même si on est confiné, il peut rentrer. Amen. Il peut entrer dans ta maison. Amen. Il peut entrer dans tous les coins de ta maison, dans toutes les chambres. Et il veut être ton ami. N'aie pas peur de l'inviter chez toi. Oui, on sent oui. On sent oui dans nos occupations quotidiennes. Mais le Christ ressuscité est là toujours. Il y a le verset en Apocalypse 3, 20. J'ai grandi avec ce verset qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ça, on utilisait toujours pendant des évangélisations en disant « Christ est devant la porte, il frappe la porte de ton cœur, ouvre la porte pour qu'il puisse entrer dedans. » Mais on oublie que ce verset est écrit à l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est des chrétiens comme toi et moi, qui étaient ni froids et ni chauds. Ils avaient perdu vraiment leur influence, leur relation avec Jésus. Et 19e verset, le verset juste avant ce verset, il dit « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Et donc du zèle et repens-toi. Amen. Cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a appelé en disant, Seigneur, il faut que tu prêches sur, il a dit, pasteur, il faut que tu prêches sur la repentance. J'ai dit, c'est vrai, on apprend beaucoup, on apprend de nous-mêmes. On voit que Jésus veut nous intervenir, il veut nous interpeller, il veut vraiment qu'on ait compris le message de repentance. Et ce verset, en Apocalypse 3, 19, il dit, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Seigneur, tu m'aimes. » Et je reçois le message. Je dis, « Seigneur, je comprends. Je dois repentir, me repentir. Aie donc du zèle et repens-toi. » Si nous croyons en ce qu'il dit, nous l'invitons dans nos vies et nous lui faisons confiance. Amen. Et Jésus entre dans cet endroit le plus intime. Il commence à changer ma vie et ta vie. Alléluia. Il ouvre mes yeux et je commence à voir et comprendre la vie. Le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Amen. Il a emporté la victoire sur la mort, sur le péché, sur l'enfer et sur tous les problèmes que toi et moi nous avons. Il a remporté la victoire et nous pouvons remporter la victoire aussi. Nous serons victorieux comme il est victorieux. Amen. Christos ariavi merelots. Ortniale harchun Christosi. Je répète et je vais répéter parce que cette journée, on répète ces choses-là. Mais pendant l'année, il faut le dire. Jésus est ressuscité des morts. Jésus est ressuscité des morts. Il est vivant, à jamais vivant. À jamais vivant. Je veux partager certains versets avec vous. Nous allons prendre la Sainte Cène ensemble et je vous invite, si vous n'avez pas encore préparé le vin et le pain, d'aller le faire maintenant. Là où vous trouvez, préparez la table. C'est vraiment spécial ce moment avec Dieu. Et c'est le jeudi saint qui est écrit en 1 Corinthiens 11, 23, 26. Vous pouvez ouvrir la Bible. Bernard Panal, Sersu Kirkner, Yevgartal, Arachin Gorontatis, Tastame, Kassan Yereken, Kassan Vets. 1 Corinthiens 11, 23 à 26.
Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je répète de ce passage ce que je viens de vous partager. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Et alors, leurs yeux s'ouvrirent. Et ils reconnurent, mais il disparut de devant eux. On va prendre la Sainte Cène. Dans l'intimité de nos foyers, comme Jésus l'a fait avec les disciples d'Emmaüs. C'est à table qu'il a rompu le pain. Et après avoir rendu grâce, il leur donna et leurs yeux s'ouvrirent. Et je prie qu'aujourd'hui, on puisse faire ça. On puisse vraiment prier, bénir le pain, bénir le corps de Christ qui était rompu pour nous, pour qu'on puisse avoir cette communion fraternelle aussi avec lui et avec ses frères, l'Église. Jésus, je t'aime et je t'adore. Ce pain qui représente ton corps, Seigneur Jésus, comme tu l'as béni, tu l'as rompu, tu l'as donné aux disciples, moi aussi, comme ton serviteur, je le fais. Je bénis ton corps, je bénis ton Église, et je bénis, Seigneur, ta vie, le pain de vie. Je te remercie, Seigneur, pour le sang que tu as déversé pour nous. Et Seigneur, merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour l'espoir que tu nous donnes. Merci, Seigneur, parce que c'est en prenant cette sainte scène, nous pouvons vraiment communiquer avec toi notre amour aussi. Parce que tu es amour pour nous. Tu es la vie pour nous. Nous prenons le vin ensemble. Parce que cette coupe, il a dit, c'est la coupe de la nouvelle alliance en son sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, dit Jésus. Prenons ensemble. Seigneur Jésus, nous prions
à toi la gloire. Que tu sois glorifié, Seigneur, avec nos vies. Seigneur, tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu sais toutes les choses qu'on vit ces jours-là. Mais Seigneur, nous voulons être remplis de ton amour et la victoire. Et Seigneur, tu vas nous ouvrir les yeux pour qu'on puisse voir encore plus de toi. Et Seigneur, tout ce que je prie ce matin, c'est que Jésus victorieux soit vraiment révélé en nous, Seigneur. Que nos vies soient transformées par toi. Et que Seigneur, que ce ne soit pas une connaissance, mais que ça soit une expérience vécue tous les jours, ce Christ vivant. Nous célébrons, Seigneur, ta vie. Tu es vivant, jamais vivant. Et Seigneur, tu ne veux pas qu'on ait peur de la mort. Oh, Seigneur, aide-nous de te faire confiance pour nos vies. Tu es venu pour nous donner la vie, et la vie abondante, Seigneur. Merci pour la vie. Où est, ô mort, ta victoire? Où est, ô mort, ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ure ovma kuhai totsat. Ure ov keresman kuhartu tunat. Mahvan kai totsa merkne. Umerkin uj orenke. Faits kohutun astuzo, vor mezi harutun. Yev hartutun guda merder Jesus Christos i tserkov. 1 Jean 5, 11 à 12, ici, voici le témoignage. Ce que Dieu, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils de, a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ambor vortin entunaze, gyang uni. Et ambor vortin entunaze, gyang chuni. Hallelujah. Tamar, il y a encore un verset que je vais partager. Un verset qui dit très simplement, je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Je répète encore, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ça se trouve dans Deutéronome 30, 19 et 20. Les enfants de Dieu, choisissez la vie. Choisissons la vie. On n'a rien à faire avec la mort. La mort est vaincue. La mort est vaincue. Maha hart vetzav. Hartagan Jesus, tout siegav. Il est sorti du tombeau. La mort a été vaincue et nous allons rien à faire. Nous avons rien à faire avec la mort et les fruits de la mort. Donc, occupons-nous avec la vie. Avec la vie du Seigneur en nous. Amen. Amen. Դոր դեր օրտնեք ես եւ պահեք ես դեր իր երեսը փայլեցնեք ու վրաց ու ողորմի քեզի դոր դերես իր երեսը դարձնեք քեզի եւ խաղություն դա քեզի Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Alors quelques annonces. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de prier pour COVID-19 tous les soirs à 19h avec votre famille. Je sais que c'est difficile de garder la discipline, mais chaque fois que c'est 19h, prions pour COVID-19, contre COVID-19, pour que ça soit terminé, qu'il s'en aille ce COVID-19. Et priez avec vos familles, lisez la Bible ensemble et approchez-vous du Seigneur en famille. Et n'oubliez pas encore, je vous remercie à tous ceux qui ont déjà envoyé par virement, ils ont établi un compte de virement, ils ont fait, et Jean-Luc vous remercie aussi. Et tous ceux qui n'ont pas ces,
la façon de faire, etc., vous pouvez mettre à côté, parce que ça fait partie de notre culte, mettre à côté vos offrandes, vos dons, vos dîmes, et quand tout sera ouvert, vous pouvez les apporter à l'église. Remanser, Navirat Vucunera, Gernak Mekomtenel, Yevgam Virmanovenel, Yevsezme Chat Kohanak, merci à vous tous d'écouter et aussi de nous donner des retours si vous avez écouté, si vous avez compris, s'il y a des choses à changer. Et appelez-nous aussi, et nous appelons ainsi pour garder les contacts. Amen. Mezi եւ նաեւ ասեք ինչ բաներ պետք ունի, ինչ ձևով կգնանք ավելի ցեզի օգնել այս պատկաններով միջոցով։ Տեր օրհնե ձեզ։ Ամեն։Comme ça m'a dit, ces deux ont reçu un espoir nouveau. Et ils sont allés pour donner l'espoir. Seigneur, donne-nous cet espoir. Pour qu'on puisse aller dans cette semaine et vraiment partager. Amen. Amen. Alléluia, il est vivant. Yeah.
on termine notre programme de Pâques, aujourd'hui notre culte. J'espère que vous allez propager même à tous ceux qui n'ont pas encore nos liens. Et vous pouvez faire liker, vous pouvez nous donner des retours. Vous pouvez même dire joyeuse Pâques, joyeuse résurrection, Jésus est ressuscité des morts. Շատ գուրախանանք, եթե մեզի գարենակ մի քանի բարերով գրել, որ այս պատգամին գրծակ մասնակցիլ եւ ինչպես կդակ այս բոլորը դեր օրդնեցես, Քրիստոս արյավի մերելոց, օրդնալ է հարությունը, Քրիստոսի, ամեն, դեր օրդնեցես։